Il semble qu'en France, on ait peu de difficultés à dénoncer les violences policières racistes, y compris venant de la police aux États-Unis, mais que par contre, les violences policières racistes en France, ça soit un peu plus compliqué. Donc, à ton avis, comment on peut expliquer cette distance-là? Ah, parce que déjà, je pense qu'il y a juste un souci de la distance, c'est que c'est toujours plus loin, c'est toujours plus facile de parler de ce qui est plus loin, ce qui n'est pas ici, ce qui est à l'autre bout de la planète. Et puis en fait, je pense que c'est aussi le fait de beaucoup parler des États-Unis, le fait de surreprésenter ça dans les médias, le fait de saturer les médias que de ce qui se passe aux États-Unis, ça permet aussi d'éviter une sorte de chape de plomb qui empêche que l'on évoque ce qui se passe en France. Donc en fait, on a vu les médias au début, donc depuis le meurtre de George Floyd, on a vu une saturation médiatique des images en boucle que de ces révoltes aux États-Unis, alors qu'en France, dans le même temps, on a aussi ici aussi des victimes de la police. Et en fait, on a un peu joué les troubles faits avec notre appel, je pense qu'on va y revenir. Mais en tout cas, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que en fait, en France, on a un discours soi-disant universaliste, soi-disant si en France on voit pas les couleurs. En France, tout le monde est pareil, il n'y a que des citoyens, les races n'existent pas. Alors évidemment, oui, les races biologiques n'existent pas, mais concrètement, la France a construit un discours racial en fait pour pouvoir dominer la planète. Elle l'a fait pendant la période coloniale et elle a dû justifier sa domination sur d'autres peuples sur Terre pour pouvoir les dominer. Et cette justification, ça a été notamment, donc voilà, on peut par exemple citer le discours de Jules Ferry. Qui nous disait qu'il y avait par exemple un fardeau de l'homme blanc d'aller civiliser les indigènes, des sauvages en Afrique. Donc c'est l'Europe, c'est l'Occident, notamment la France, qui a construit un discours racial. Et ce n'est pas ceux qui dénoncent le discours racial qui racialisent. Faut pas inverser. C'est ce qu'on essaie de faire justement en France. Et c'est le procès qu'on tente de faire au Comité Adama aujourd'hui, d'ailleurs, quand ils disent, quand nous disons qu'il y a effectivement des similitudes entre la France et les États-Unis. Il y a aussi des similitudes historiques. La France a aussi une histoire de l'esclavage. Notamment, il y a des villes en France qui ont été construites sur l'esclavage. Donc, il y a Bordeaux que Philippe Poutot connaît bien, je le vois à l'image. Il y a Nantes, etc., qui ont été construites sur l'exploitation de la traite négrière. Et puis ensuite, il y a une histoire coloniale. Je viens d'en parler. On a, par exemple, aujourd'hui, la France a été pendant très longtemps la deuxième plus grande puissance coloniale de la planète. Donc, elle a colonisé toute l'Afrique et une partie de l'Asie. Et donc, il y a une histoire aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une histoire vis-à-vis des populations noires, une histoire vis-à-vis des populations nord-africaines. Et donc, ça ne vient pas de nulle part, en fait, cette répression policière qui vise, en l'écrasante majorité des cas, des populations que l'on dit aujourd'hui racisées, mais en fait, c'est pour ne pas dire noirs et arabes. Et donc, pour moi, non, au contraire, la comparaison est pertinente, même si, par ailleurs, nous, en tant que militants, on doit dire qu'effectivement, ce n'est pas pareil, parce que, voilà, aux États-Unis, il y a d'autres questions spécifiques, notamment lié à la déportation des personnes, des populations africaines vers le continent américain. C'était évidemment impossible de pas parler de la manifestation d'hier devant le TGI, le tribunal de grande instance de Paris. Même la préfecture l'a dit, plus de 20 000 personnes qui étaient là, qui demandaient justice pour Adama et qui dénonçaient par ailleurs tous les autres meurtres et toutes les violences policières racistes. Est-ce que tu peux nous en parler, revenir là-dessus et nous dire notamment ce que ça signifie politiquement pour vous, pour le comité? Alors pour nous, aujourd'hui, c'est un tournant, en fait. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un certain niveau aujourd'hui de mobilisation qui est quand même très important. C'est-à-dire qu'en fait, depuis 4 ans, on monte en puissance. C'est-à-dire on n'est pas notre premier coup. On a toujours fait des événements, voilà, des événements assez importants qui marquent, des événements politiques qui sont toujours pensés en amont, qui sont toujours liés à une stratégie qu'on a établie depuis 4 ans dans différents secteurs de la société, avec un seul objectif, une seule ligne directrice, c'est d'imposer la question des violences policières dans le débat public, d'imposer la question des violences policières dans les mouvements de gauche, surtout les mouvements de gauche qui sont dans une optique d'une conquête du pouvoir. Et en fait, ça les gêne, ce genre de questions. C'est-à-dire que ces questions-là, pour eux, c'est pas assez bankable, ça rapporte pas des voix selon leur point de vue. C'est-à-dire qu'en fait, ils pensent que ça va, voilà, ils ont plutôt un discours qui droitise de plus en plus et qu'en fait, faut pas braquer les syndicats de police qui sont très puissants en France, faut pas braquer les populations qui pensent que la police les protège. Alors qu'en fait, la police, ça sert juste à contenir, voilà, les populations pauvres, en fait, des quartiers populaires, les populations noires et arabes, pour empêcher qu'elles se révoltent face à leur sort, en fait, parce qu'aujourd'hui, on l'a vu avec le coronavirus, en fait, c'est-à-dire qu'on se demande même pourquoi ça ne se révolte pas avant et pourquoi ça n'explose pas avant. Donc la police, elle sert essentiellement à ça aujourd'hui.
Et donc aujourd'hui, voilà, on a atteint vraiment un nouveau cap, et je pense que c'est une démonstration de force. C'est-à-dire que quand même BFM TV qualifie cette manifestation de démonstration de force, il se passe quelque chose. Nous, on n'en a jamais douté. Nous, on savait qu'il y avait cette capacité, voilà, ce potentiel vraiment de mobilisation énorme dans les quartiers populaires. Nous, en fait, depuis 4 ans, on va dans les quartiers, en fait. C'est ça qui a payé aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, on s'est toujours adressé prioritairement aux quartiers populaires. On s'est toujours déplacé. C'est-à-dire que toutes les marches à la main en amont, on va toujours dans les quartiers. On va partout en Île-de-France. Partout, on va faire de la politique, on discute avec eux. Et on savait en parlant avec eux que le jour où ça allait arriver, ça serait massif. On le savait, on l'a toujours su. Et là, aujourd'hui, ça a été une magnifique démonstration. Enfin, hier plutôt, ça a été, je suis encore dedans là. Ça a été une magnifique démonstration voilà, de force de ce que peuvent faire les quartiers populaires, en fait. Et on voit que quand il y a une direction politique claire, on voit quand il y a un discours clair, en fait, les quartiers, voilà, et c'est ça qu'ils veulent, en fait. C'est-à-dire que nous, notre mot d'ordre, c'était révolte contre le déni de justice. Beaucoup nous auraient dit, mais non, faut pas dire révolte, vous vous rendez pas compte, ils vont tout brûler, etc. Bah non, si, au contraire, moi je pense que tout le monde devrait le dire aujourd'hui. Parce que quand voilà, un jeune homme, le jour de son anniversaire, meurt entre les mains des gendarmes, ou quand d'autres sur des motos se font percuter et finissent écrasés, etc., tout le monde devrait être révolté, et ça devrait être le mot d'ordre de toutes les organisations, que ce soit politique, associative, syndicale, etc. Et malheureusement, ce que je constate, et justement, ça a montré encore plus notre capacité de mobilisation, c'est qu'on l'a fait quasiment seul, cet appel, et qu'il y a eu très peu, encore une fois, hein, je ne parle pas, bon, le NPA, hein, les autres sont toujours là, etc., les groupes qu'on a l'habitude de voir, mais je pense vraiment à des, voilà, par exemple, voilà, quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon, ou François Ruffin, etc., on voit qu'ils en parlent aujourd'hui tardivement parce qu'il y a le rapport de force, mais voilà, il y a ce goût amer où ils n'ont pas appelé avant. Voilà. Et en plus, c'était clair, c'était le comité Adama, il n'y avait pas de possibilité de récupération. Donc, nous, ça ne nous aurait pas gêné. Mais je pense que c'est ça qui a fait qu'ils n'ont pas appelé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de récupération. Je pense qu'aujourd'hui, on est tellement fort politiquement, tellement stable, que personne ne peut nous récupérer. Et donc, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas récupérer, bah, en fait, ils ne le font pas, ils n'appellent pas. Et ça, c'est lamentable. Et je pense qu'ils ont pris un petit coup de pression là. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement où on en est sur le plan judiciaire? Quelles sont les prochaines échéances? On a vu évidemment bah, les dernières annonces, mais voilà, est-ce que tu peux développer? Oui, parce que déjà, cette mobilisation, elle fait suite à une dernière expertise bidonnée de charlatans, enfin, je ne peux même pas les appeler des experts, de personnes voilà, qui sont complices en fait et qui rendent des expertises complètement bidons, absurdes, alors que déjà les plus grands experts qu'on a mandatés se sont déjà prononcés dessus. On remarque que c'est le même procédé que pour George Floyd, c'est-à-dire que George Floyd, on a une expertise judiciaire qui dit qu'il est mort de pathologie cardiaque alors qu'on a une vidéo, et qu'une expertise indépendante dit que c'est le plaquage ventral, c'est exactement ce qui se passe pour Adama Traoré. On a une expertise indépendante qui dit clairement qu'il est mort du plaquage ventral. Et donc voilà, aujourd'hui, je vous le dis clairement, c'est-à-dire que là, l'objectif des justes est de rendre un non-lieu avec cette expertise bidon. Juste à 18 h, 1 h avant le rassemblement, cette expertise indépendante est tombée. Elle contredit complètement l'expertise qui dit qu'il est mort de pathologie cardiaque. Et donc voilà, ça va être très compliqué pour les juges de rendre un non-lieu. Ça va être compliqué pour les juges de rendre un non-lieu parce qu'on est venu à leur porte, on est venu devant le tribunal. On était plus de 40 000, donc ça va être s'il faut le refaire, on le refera en fait. Et donc voilà, on en est au niveau judiciaire. Juste pour finir, par rapport au fait qu'il y avait énormément de femmes, de jeunes femmes qui étaient présentes à ce rassemblement, ça, voilà, ça s'explique par une chose très simple, c'est qu'aujourd'hui, Assa Traoré, c'est devenu une figure des luttes contre les violences policières qui incarne, j'ai envie de dire même la justice, qui l'incarne, qui incarne la dignité. Et en fait, aujourd'hui, c'est devenu un puissant, c'est vraiment un puissant moteur d'identification politique pour ces jeunes femmes. C'est ce qui explique. Qu'en fait, voilà, quand quelqu'un, voilà, quand ces populations des quartiers populaires se sentent représentées, quand quelqu'un parle le discours que ces personnes veulent entendre, c'est-à-dire radical, sans concession, direct, franc, etc., bah, ça marche. Ils viennent dans la rue, ils se mobilisent. Donc ça, c'est une petite réponse à tous ceux qui disaient que les quartiers populaires étaient résignés, qu'il n'y a pas de politique, etc. Je pense qu'hier, ça a été la meilleure démonstration.